Allez. Bon, on va sortir comme ça, c'est oui. Facile. Bonjour. On n'est pas à l'école de là. Alors, Paul, tu es derrière. Allez. Tu es prêt, hein? Oui. On va d'abord aller la déposer. Voilà. Ouais, c'est lourd. Ouais. C'est moi qui a tout le poids. Il dit tout le poids. Ouais, pas les articles de l'OM. Je fais pas d'aller. Sacerdotale Notre-Dame de Beauregard, mais je pense que c'est à peu près la même, même si elle n'a pas tout à fait le même nom. Notre archevêque m'a bien dit de vous dire combien il nous était proche aujourd'hui et combien, en implorant Notre-Dame de Beauregard, il était aussi proche de Notre-Dame du Peuple, ici à Saint-Andiol, pour demander des prêtres, bien sûr, dont nous avons besoin. Nous sommes heureux d'avoir quelques confrères qui, magnifiquement chapeautés, qui aujourd'hui nous aider dans l'annonce de l'évangile et dans la mission, mais nous avons bien sûr besoin de prêtres du cru, et c'est pas, voilà, il y en a besoin d'autres parce qu'ils commencent à vieillir ceux qui sont du cru, donc voilà, donc moi-même je suis le père Michel Desplanches, le vicaire général qui a succédé à cet Andiolé quand même, ce qui est quand même pas rien, hein. Voilà, c'est difficile, mais on essaye d'y arriver. Et donc, c'est au nom de notre archevêque que je me joins à votre prière et que nous allons ensemble honorer la Vierge Marie en ce beau mois de mai qui lui est consacré traditionnellement. Mai, c'est le mois de Marie, ce mois où le plus beau de tous les mois, le mois des amoureux, le mois des jolies fleurs, le mois où les beaux jours commencent à revenir, où les journées s'allongent et nous voulons les vivre auprès de notre mère. Notre-Dame du Peuple. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons marcher avec Marie
dans le village, nous savons bien que Marie marche avec nous. Elle ne nous laisse jamais seuls. Et donc, en marchant dans le village, nous nous souvenons que Dieu n'est pas enfermé dans les églises, mais que le Seigneur traverse le quotidien de nos vies. Et Marie nous accompagne, nous guide comme une mère. Elle nous amènera jusqu'à Jésus, puisque nous y terminerons la célébration pour célébrer la messe, cette rencontre, ce cœur à cœur avec Jésus lui-même. Chantons Notre-Dame. Et sagesse.